Sur le niveau gouvernemental, le Premier ministre aujourd'hui a fait des annonces qui sont importantes, en particulier parce qu'il conforte le plan de soutien à l'élevage annoncé le 3 septembre dernier, en proposant notamment pour les agriculteurs qui ont de faibles revenus une année blanche sur les cotisations sociales. Nous demandions depuis des mois et des mois qu'enfin sur les normes, sur les réglementations, on change de dispositif en France. On nous met sans cesse en surtransposition par rapport aux normes européennes. On est incapable d'évaluer les conséquences économiques de telle ou telle norme. Tout ça va bouger à travers un comité qui va être mis en place là, dans les jours qui viennent. Une baisse de 7 points qui s'ajoute à 3 déjà annoncés, ça va faire 10 points de baisse de charges sociales, ce qui nous remet d'ailleurs à peu près dans une moyenne européenne.